Hey, salut à tous, c'est Fox, et oui, je suis seul, et oui, je suis seul. Miss est parti travailler, je viens de nettoyer toute la station, hein, il est 13h, on va ouvrir. On va ouvrir après un bon petit repas. Et puis, tout simplement, je reprends tout seul parce que Miss est partie travailler réellement. Hein, réellement. Voilà, donc, station propre. J'ai fait quelques livraisons, enfin commandes au niveau alcool. Les stocks ne sont pas pleins, la citerne n'est pas pleine, mais ça avance, ça avance. J'ai travaillé, on va dire, allez, j'ai travaillé pendant plus d'une heure et demie en deux temps, et pour remonter à un peu plus de 2000$. 2000$, je les ai gagnés principalement avec le garage. Et oui, le garage m'a un petit peu sauvé les miches, parce que si j'avais pas eu le garage, croyez-moi, je n'aurais pas pu remonter ça. Mais ça a été très compliqué parce que j'ai eu beaucoup de monde à la caisse qui ont permis de monter un petit peu au niveau level. Vous voyez, 15% en haut, on le voit à côté de la somme. Et ce que l'on va faire, on va s'attarder un petit peu à cette fameuse fonctionnalité qui nous permet de voir pour cet arrêt de bus. Alors, on m'a conseillé, sans me spoiler, attention, pas de spoil, s'il vous plaît, laissez-nous découvrir le jeu, mais vous nous avez aidé pour nous dire où était le parking. Et je ne savais pas parce que nous, on cherchait dehors tout simplement. Donc, doucement. Alors, place de parking, ok. Flèche, c'est quoi? Les toilettes, ok. Deuxième cabine complète, cela double l'effort nécessaire pour garder toute la pièce propre, mais si elles sont effectivement propres, vous en aurez pour votre argent. Ok, on prend ça, deuxième cabine, très bien. Allez hop. Wow, ok. Et ensuite, il y a encore le bouton rouge, qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre autre chose? Ah oui, on peut prendre... Oh, distributeur de carburant, une autre pompe, 250. Un deuxième distributeur de carburant pour l'avant de la station. Une deuxième voiture se tiendra prête, doublant potentiellement le revenu de l'activité principale. Ok, ok, ok. Bon, très bien, on va prendre ça. Et, donc, acheter. Mais je l'ai acheté, hein. Oui, c'est bon. Et ensuite, c'est quoi? Oh, le bus! L'arrêt de bus, ah ben voilà. Ah ben on risquait pas de le trouver. Ok, c'est pour ça que vous nous aviez dit d'aller à l'ordi. Ok, reconstruction d'un arrêt de bus. La rénovation de l'arrêt de bus signalera une fois de plus au conducteur que vous êtes prêt à les servir, eux et leurs passagers. Attention, un seul bus peut contenir une foule énorme. Ouh, ça par contre on va voir. Alors je sais pas si je vais franchement le prendre maintenant. Est-ce que je verrai ça avec Miss? Parce que j'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu peur parce que s'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde, ça m'inquiète un petit peu. On va voir. Je vais y réfléchir pendant qu'on fait tout ça, qu'on remette à jour tout ça. Parce que, en plus, il va y avoir une deuxième... Il y a une deuxième pompe. Donc je pense que ça va être super chaud entre servir tout le monde. That's it. Ah mais j'ai loupé. Bon, c'est bon. Oh là là, ils sont susceptibles sur la route 66. Bon, on a quelqu'un au garage, on va s'en occuper aussi. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, le but c'est d'avancer. Mais on ne peut pas avancer trop vite non plus. Parce que le problème, c'est que si j'avance trop vite, je veux que Miss, découvre aussi les nouveautés. Voilà, donc le bus sera là-bas. Ok, d'accord. Bon, très bien. Là, on est bon. On va laisser la cliente à la caisse. On va vite partir au garage. Bonjour, monsieur. Allez, hop, c'est parti. On va voir ce que le monsieur a à faire au niveau... Il y a deux roues et une portière. Une portière? Mais... Merde, c'est de l'autre côté. Une portière? Mais la portière, j'ai pas... Ah, on va voir ça. Il y a un truc qui m'intrigue.
On va regarder ça parce que normalement la portière, j'ai pas vu qu'il y avait des portières à commander. Hop, hop, ça c'est fait. Il y a une autre roue, je crois. Non, ah non, il n'y a pas d'autre roue. Une portière. Mais dans l'ordi, on peut pas commander de pneus dissolvants. Ah, dissolvant de rayures, ça doit être ça. C'est ce qui est là. Voilà. Oh! Oh oui, c'est ça. Ah, d'accord. Ok, c'est pour enlever. D'accord, bon, mais j'avais. Ok, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, mais si, il y avait une autre roue, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, alors moi, franchement, pendant les 1 h 30 que j'ai joué en off, hein, je peux vous dire que ce qui m'a sauvé, c'est tout simplement les réparations au garage. J'aurais pas eu les réparations au garage, j'ai eu du 280, j'ai eu du 180, je crois que j'ai pas eu plus de 280, vous voyez, 200, non, c'est 270, voilà, c'est 270, que je dise pas de bêtises. Et franchement, je peux vous dire, ça peut rapporter un max. Oula, mais c'est le dawa ici là. Hop. Hop. On va enlever ça parce que sinon les clients vont pas être contents. Alors déjà quand je rate au niveau de prendre les courses et que de les mettre. Il y a des poissons. Il y a des poissons ici. C'est bizarre. Mais tout est bizarre ici. Mais bien. Voilà. Allez hop. Et puis je voulais vous dire, ah oui aussi. Voilà, je voulais vous dire, on va passer un petit coup d'éponge. J'ai vu qu'on pouvait réaliser des combos à la caisse. Alors il va falloir me dire, parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. Super! Ok madame, bien à vous. Bonjour mademoiselle. Allez. Et j'ai essayé, par exemple, en faisant comme ça. Et voilà, et je me le suis chié, elle va pas être contente. Mais en fin de compte, il y aurait des combos à réaliser, et je ne sais pas du tout comment on fait. Voilà, c'était juste pour vous dire si vous savez comment on fait ça, parce que j'ai essayé de regarder. Alors comme je le dis, le but c'est pas de tout nous pondre, parce que ce serait pas marrant. Vous nous aidez, on sait que en commentaire, vous nous aidez, et puis on vous remercie. Parce que ben, il y a du monde qui s'intéresse à Gas Station Simulator. Et aussi, ce qui est bien, c'est qu'on a des personnes qui ont acheté le jeu, tout simplement parce qu'ils ont découvert nos vidéos. Et moi, je trouve ça bien. Le but des vidéos, c'est avant tout de faire plaisir et puis de partager un moment de plaisir et de loisir avec nous. Parce que nous, on aime bien ça. Bon, moi tout seul pour cet épisode. Mais bon, ça ne change rien à l'épisode. Je veux dire, par rapport à ce qu'il y a à faire, bien sûr, ça change beaucoup parce que Miss, elle n'est pas là. D'ailleurs, j'ai même pas mis la cam. Donc, c'était juste pour vous montrer en fin de compte l'évolution. La prochaine fois, bien sûr, avec Miss, on mettra la cam. Là, j'ai pas voulu la mettre parce que j'ai pas trouvé vraiment nécessaire de mettre la cam. Ah oui, puis il y a ça, je sais pas ce qui se passe. Plus ça va, plus c'est petit. Alors, je comprends pas. Je comprends pas. Est-ce qu'il comprend pas? Pourquoi ça devient tout petit? Je pige pas. On a quelqu'un à la pompe. Ok, il va falloir que je nettoie parce que c'est dégueulasse. Franchement, viens ici, toi. Voilà, ok. Ah, mais il y a du monde partout! Et puis voilà. Puis je peux vous dire que, franchement, si vous vous attelez pendant une bonne heure au jeu, allez, on va dire 1 h 30, 2 h, et que vous avez du monde au garage, franchement, vous ferez un peu d'argent, ce qui vous permettra de voir un peu plus loin. On a encore un client au garage, on va y aller. Et puis après, je fermerai. C'était juste vraiment pour montrer un petit peu une vidéo sans miss, mais pour remonter un petit peu tout ça. La prochaine fois, on prendra l'arrêt de bus parce que j'ai peur toujours qu'il y ait des animations, qu'il se passe quelque chose et que Miss loupe ça. Et ça m'embêterait franchement. Bien sûr, avec Miss, le principal but, c'est qu'on reprenne tous les deux. Moi, j'ai fait ça pour en attendant. Alors, on a deux pneus. Ah, ben, de toute façon. Je vais même carrément pouvoir refaire du stock. Mais avant de se quitter, on va voir s'il y a la possibilité de prendre quelqu'un, de faire un recrutement. Et si c'est possible, on fera ça avec Miss et l'arrêt de bus la prochaine fois. Parce qu'en plus, l'arrêt de bus, ça va être super important. On a un pneu ici, le dernier. Alors, il va falloir que je repasse commande et tout. Ça, je ferai ça sans problème en off.
vous voyez, on est monté à 2180 $. Bien sûr, il va falloir que je fasse du réapprovisionnement. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est le but. C'est le but, en fait. Mais franchement, si vous y tenez bien, vous pouvez augmenter l'argent. Et pas facilement. Par contre, pas facilement. Je dirais pas que c'est facile. Mais ça, c'est faisable. Si nous, on était redescendu à 393 $ là, juste avant que je reprenne en off. Et vous voyez, 270 $, on est passé à 2452,36 $. Et ça, c'est bien ça. Bon, on a quand même des gens à la caisse. Ce que je vais faire, je vais fermer. Je vais juste faire ça. Je sais, c'est pas cool. Et nous, on se retrouvera pour un prochain épisode avec Miss, je l'espère. On va vite fermer avant que quelqu'un arrive. Tous les gens de la station vont s'en aller. Nous, ce qui va nous permettre... Attends, tu démarres ta voiture sans monter dedans? Ah ben là! Ok, d'accord, voilà, les gens s'en vont. J'ai pas l'air de voir s'ils sont contents ou pas. Ce qu'on va faire, on va nettoyer. On va vite nettoyer tout ça. Hop, 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 hop. Allez, on nettoie ça. Comme il faut, il n'y a rien qui traîne. Et ce qui va me permettre en fait de refaire des commandes un peu plus importantes. Voilà. Trace de pas. Ah, ça gueule, ça gueule, ça gueule. Bah oui, hein, bah oui, j'ai fermé un peu tôt. Peut-être, peut-être. Viens ici, toi. Alors ça aussi, des fois, c'est pas facile. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Voilà. On va remettre ça, tout ça propre. Ok. C'est de l'autre côté. Ça klaxonne, ils sont pas contents, les gens. Ils sont pas contents. Ah mince, j'ai pas fait les WC. Voilà, hop. Donc on a notre deuxième cabine ici, puis je pense qu'après on pourra prendre notre troisième ici. Alors ici, j'ai pas pu peindre parce qu'on peut pas rentrer dedans. Ici, j'ai pu peindre avant, mais c'est dommage, ici on peut pas rentrer. Alors par contre, si je fais ça... Ah si, on peut. Ah mais si, on va pouvoir... Oh bah je vais le faire tout de suite. Ah, mais si on peut. Ah, merde. Merde, merde. Je fais des conneries. On va faire ça. Allez, on va faire ça avant de quitter. Par contre, je pourrais pas peindre. Est-ce qu'on va pouvoir? Voilà. Ah, si on peut. Je pensais pas qu'on pouvait. Ok. Eh bien, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Voilà. On va peindre ici. Et je pourrais pas peindre, vous voyez, carrément sur la... Sur le mur de droite, je vais pas pouvoir. Je vais pas pouvoir parce qu'il faut rentrer dans la cabine et on peut pas. On peut pas en fait. Si je fais ça, ça va peindre l'extérieur. Ça, par contre, c'est bizarre qu'on puisse pas. Par contre, là, je peux peindre le plafond. Moi, ça va me peindre le toit là, sinon. Ouais, je pense que ça va me peindre le toit. Allez, on va enlever ça. Hop, on met ça là. On va enlever ce petit truc. La poche du KitKat. Là, je crois qu'il y a un autre petit truc aussi. Voilà, c'est bien ce que j'avais vu. J'ai l'œil, il faut que je laisse tout propre. Parce que si Miss, elle voit ça, elle va le voir. C'est sûr. Et puis aussi, alors, je ne sais même pas si je vous l'ai dit, j'ai remarqué, j'étais obligé de repeindre quelques façades de tout ça. Puisque, vous voyez, en fait, ça s'abîme. La peinture s'abîme. Alors, je l'ai laissé pour que Miss le voie et qu'on voie ça ensemble. Et ça, je ne savais pas. Je ne savais pas que la peinture s'abîmait. J'ai dû repeindre tout ça. Alors, j'en ai profité pour repeindre l'extension. D'ailleurs, vous voyez, ici, c'est pas propre du tout. On va le repeindre. Et vous voyez que derrière l'étagère, en fin de compte, eh bien, ça va être après tout propre. Si je fais pas de conneries. Voilà. Un petit coup de balai pour la tâche de peinture. Et normalement, vous voyez, c'est propre. Il n'y a plus les traces. En fin de compte, tout s'abîme. Si on laisse comme ça... Eh bien, c'est quand même bien pensé. Franchement, franchement, moi, le jeu, plus ça va, plus j'accroche. Franchement, je vous le dis, c'est vraiment impressionnant. Mais bon, voilà, c'est vraiment pour moi la qualité du jeu, elle est là. C'est qu'il y a plein de choses qu'on découvre toujours. Et c'est vraiment assez surprenant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour terminer? La station est fermée, la station est propre. Au niveau fonctionnalité, mais comme on l'a vu, il nous reste pour le bus. Ah, on peut plus? Si, on peut. Le bus, la station, la deuxième pompe, c'est fait.
Voilà, le bus, et en plus, 99$. Donc, franchement, ça coûte pas cher. On fera ça lors du prochain épisode. Nous, on va regarder, voyez, au niveau employé, on ne peut toujours prendre personne. Je pense que c'est quand on passera au level 4. Carburant, j'en ai assez. Popularité, niveau 4, 25 sur 100. Donc, voilà, c'est bien ça. Je pense que donc 25 sur 100, ça doit représenter le petit pouce qui est en haut. Prérequis, remplissez plus d'objectifs pour pouvoir améliorer la station service, 2480 et 1000$. Bon, ben ça, on les a. Mais je vais pas le faire. Je vais rien faire du tout. De toute façon, je sais pas si je peux. Décoration, qu'est-ce qu'on a intérieur? On n'a rien eu de plus. Je crois que j'avais tout ça puisque j'avais mis une applique. Si je fais décoration extérieure, qu'est-ce qu'on a? L'enseigne néon ouvert à 70. Allez, on va prendre ça. Voilà. Ensuite, panneau néon suspendu. Ouais, non. Ah ouais, mais il y a tout ça. Ok. Bon, je vais prendre juste le petit panneau. Comme ça, je vais pas en prendre trop. Parce que j'ai pas envie que Miss me dise ouais, mais t'as pris plein de trucs. ici, donc, qu'est-ce que. Plus de produits. Pour le snack, plus de produits. Ici, plus de produits. Plus de produits. Et au niveau des glaces. Ah ouais, ça a vachement baissé au niveau des glaces. Ah si, on peut mettre ça. Allez, on place tout. Par contre, plus de produits. Donc, on peut placer autre chose. Bon, voilà. Bon, on a bien avancé. On a une double pompe devant la station. On a une double cabine maintenant de WC. Il y aura une troisième qui pourra se faire ici. On a voilà, cette extension qui s'est faite de plus. Ah, par contre, il faut peut-être la repeindre. Non, non, je pense pas. On a juste la station qui s'est mise en plus. Je ne pense pas. Non, c'est bon, c'est bon. On n'a rien à faire, en fait. On n'a rien à faire, voilà. Et voyez la façade, un peu le noir qu'il y a là. Et eh bien, si je passe de la peinture... Enfin, bon, voilà, comme je vous l'ai dit. Allez, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Gas Station Simulator. C'est toujours un plaisir de faire ça avec vous. Promis, prochaine fois, il y aura Miss et avec la cam, surtout. On reprendra notre petite aventure. Là, c'était une petite aparté ensemble, hein, rien que vous et moi. Allez, on se retrouve pour un prochain épisode. Salut à tous !